Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Je vais vous montrer comment corriger l'erreur 0x870610. Donc, c'est une erreur qui consiste à activer le firewall de votre système d'exploitation. Donc, pour cela, il suffit seulement que vous cliquez sur la touche Windows X pour exécuter un programme qui s'appelle service.msc. Donc, vous cliquez sur OK, vous aurez une fenêtre qui va s'afficher et vous allez sur pare-feu et vous vérifiez est-ce que le pare-feu est bien démarré. Normalement, si vous avez cette erreur, vous aurez que le pare-feu n'est pas activé. Donc, il faut le type de démarrage, vous le fixez sur automatique et après vous cliquez sur appliquer OK. Après, vous pouvez lancer la mise à jour de votre système, donc sur démarrer paramètres et après mise à jour. Donc, et vous verrez vous-même que ça va fonctionner et vous aurez les mises à jour demandez. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à s'abonner. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. À bientôt.